Jésus le veut, il n'est pas pourri. Tout le s'en est, il y a encore y en a. Jésus le veut, il n'est pas pourri. L'en mort fini, la vie qu'on peut. Jésus, clairé dans le cœur, même si fait noir, clopé tout monde, dans des bons jours, dimanche pas là, Marie Madeleine, pas de fille moins claire. Jésus le veut, les papes s'en est, y'a encore y'en a. Jésus le veut, les papes mourir, l'en mort fini, la vie qu'on peut. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ, notre Seigneur, est ressuscité d'entre les morts. Le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, merveille pour l'homme, alléluia. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes. Alléluia. Hommes qu'il aime, gloire
terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants. Accorde-leur de te servir et d'être fidèles par toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 14 à 22b, puis 33. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera de l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Méditons ensemble le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Ensemble. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Prière de vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia, chantez tous en cœur. Alléluia, 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 pour louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia, alléluia, chantez tous en cœur. Alléluia, alléluia, pour louer le Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer aux prêtres, aux grands prêtres, tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous évitions toute ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette application s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, chantez tous en cœur. Alléluia, 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 pour louer le Seigneur.
Nous sommes dans l'octave de Pâques. Et pendant toute semaine, on a bien chance pour que nous capables de méditer sur des textes ayant rapport à la résurrection. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. C'est la joie. La joie pour toute l'Église. La joie pour tous les chrétiens. La joie pour tout le monde, de toutes les nations, de toutes races. Le Christ est victorieux. Il a vaincu la mort. C'est notre ferme et grande joie, notre grande espérance en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Apôtre Paul disait, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est ça qui constituait base que comptons-nous, parce que Jésus levé bien vivant. Là, Jésus finit levé, il paraît, il fait disciple, il y aurait. Et nous voyons que c'est Matthieu qui rapporte nous, récit ça, pour faire nous comprendre que c'est le Christ lui-même qui prend l'initiative. Les mesdames y allaient, où est Jésus? Eh bien, Jésus, lui, a le salué. C'est lui-même qui paraît pour le dire, soyez sans crainte. La crainte de Dieu, c'est où nous donnons l'Esprit Saint en bas nous, pour nous gagner un bon Dieu créatif. Jésus a dit, soyez sans crainte, c'est bien moi, moins levé, bien vivant. Yo content, yo allé sous Jésus, yo saisi pied, yo prosterné devant. Que yo content, parce que avant, la mort Jésus était comme un échec. Échec non seulement pour mission Jésus, mais échec pour disciples également. Mais qu'on est là, sans attendre, Jésus, malgré qu'il t'ait annoncé yo résurrection pendant qu'il t'ait marché avec yo dans la mission, ça n'a pas fini dans la tête. Qui vient avec eux, les Jésus levé bien vivant, yo bral songer tout ça, Jésus te dit yo après, et yo tout bral content, yo tout bral fêter, yo bral festoyer, c'est une grande joie, Jésus levé bien vivant. Jésus bral dit yo, m'a nous rendez-vous Galilée, al dit frère yo, que m'a prétendu yo Galilée. L'annonce de la bonne nouvelle. Et l'en fin côté parole bon Dieu à Frémsem, annonce ça, il revient à nous de la faire, d'annoncer à nos frères et sœurs que le Christ est vivant, que le Christ est ressuscité d'entre les morts, et que ce que Dieu veut, c'est ce qui fait la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. C'est vivre en ressuscité, c'est vivre en témoin de Dieu. C'est ce qui fait la joie de Dieu, c'est ce qui fait la gloire de Dieu, vivre en ressuscité. Et malgré Jésus le bien vivant, les gardiens ouais ça, les gardiens al porté plainte ou bien rapport by grand prêtre, yo bral di, et bien al di Jésus pas levé vrai. Ces disciples qui ne voulaient quoi en dit là. Et jusqu'à présent, parole bon Dieu a dit non, il a propagé nouvelle ça pour dire que le Christ n'est pas ressuscité, c'est disciples qui viennent voler. Mais nous-mêmes, avec ferme espérance, nous croyons, nous connaissons que Jésus levé bien vivant, il est apparu pendant plusieurs jours à ses disciples pour dire qu'il est là, qu'il est bien vivant et qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Frère Sœur, dans octave, pas que ça, dans premier jour après résurrection et Jésus, on demande à Dieu la grâce. C'est grâce à pour demander à Dieu. Pour que nous-mêmes nous capables de courage comme chrétiens, pour que nous capables de proclamer la bonne nouvelle. Frère nous, sœur nous, connaît que bon Dieu que nous avons servi, le Christ que nous servons, ce n'est pas seulement un Christ qui est mort, mais c'est surtout un Christ qui est mort et ressuscité. Ressuscité pour dire que la mort n'a aucun pouvoir sur lui, et s'il est ressuscité, comme disait Pierre, comme disaient les apôtres, le Christ est le prémisse, et nous autres, nous avons l'espérance qu'au dernier jour, nous ressusciterons comme le Christ l'a fait. Amen.
Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donné dans la joie et dans l'action de grâce pour ton immense bonté. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les présents de ton peuple. Il a été renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-lui de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oui, grand mais tout ça, nous reconnaît ça, non point en cours. Oh, 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 grand mais tout ça, oui, grand mais tout ça, nous reconnaît ça, non point en cours. Mais veille, yo papa. Éclate grandez-vous, quitte non ciel, quitte sous terre, y a paix chantée pour vous. Oh, 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 oh grand maître tout ça, oui, grand maître tout ça, nous reconnaît ça, non point en papa, ou si l'envoyéa qui vient délivrer nous et qui travaille dans nous. Oh, 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 oh grand mais tout ça, oui, grand mais tout ça, nous reconnaît ça, non point en cours. Oh, oh, oh,
grand maître Toussaint. Oui, grand maître Toussaint, nous reconnaissons ça. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu est notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Pour lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. Prions encore le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal, Seigneur, nous t'en prions, surabonde en nos cœurs. Puisque tu nous as mis sur le chemin du salut éternel, rends-nous dignes de tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bonne fête à tous les amis, nous, soeurs, nous, frères, nous, qui ont célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui. Bonne fête à Diana Jérôme, Jean-Joubert d'Orsainville, Kevin Pierre Américain, Marie Anicia Lacrette, Michel Jadot Toussaint, Nathan Desulmé. Bonne fête à Roldi Laurent, Paulette André Saint-Cyr, Fabiola Eugène. Bonne fête à Joseph Shelton. Bonne fête également à Anne-Léa Chahidamak Sika, lui. Bonne fête à Joshua Alexis, Yannick Plaisil, qui est membre équipe liturgique, comité Pat Depio. Bonne fête à Marie-Antoine Roche, membre chorale CODA. Bonne fête à Bettina Baudin-Francillon, comité soutien. Bonne fête à Romélus Grastoma. Bonne fête à Niva Mati et toutes les autres amis. Quand célébrer un événement heureux, nous disons bonne fête. S'il vous plaît, c'est bien dans nos qui là, nous avons avancé pour que nous soyons capables de prier pour nous et saluer nous pendant que nous avons un chant pour nous dire non, bonne fête. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
sais pas.